32 morts, 150 blessés. Daesh l'a revendiqué, c'est-à-dire que Daesh existe toujours. Oui, Daesh n'est pas mort, c'est bien ça qui trouble l'opinion. On a dit Baghdadi a été tué, le premier ministre de l'Irak a dit qu'il n'y a plus. Et nous, quand on arrive là-bas, le consul nous dit n'allez pas là, n'allez pas là, n'allez pas là, parce qu'il y a Daesh. Donc Daesh n'est pas mort et Daesh continue de tenir avec lui des esclaves yazidis, soit dans des camps de rétention, soit dans des familles qui sont isolées en Syrie. Et Daesh a tué beaucoup de musulmans. D'abord. Ah oui, les premières victimes de Daesh, ce sont des musulmans. Par exemple, là, les morts en Irak sont musulmans. Les attentats qu'ils ont faits à Kaboul, c'est des musulmans.